pense à Louis XVI, on est mal à l'aise. On se dit c'est des ancêtres à nous qui lui ont coupé le cou. Le pauvre monarque n'avait pas d'énarque pour le conseiller comme maintenant il y en a autour du président. Il perdit la tête, mais c'est quand même chouette. C'est ça qui a permis qu'on ait les balles du 14 juillet. Ah, ça y va, ça y va, ça y va, quand le populot remue les fesses. Ah, ça y va, ça y va, ça y va, quand le populot fait la java. Cette guillotine, quelle drôle de machine, ça vous coupe comme un gigot les vertèbres du haut du dos. Guillotin le type qu'a fait le prototype, dit qu'on doit sentir sur le cou qu'un léger souffle sur le cou. Mais quand on zigouille les gens, quand on souille, l'idée même de la liberté, c'est le pays qui est guillotiné. Ah ça y va, ça y va, ça y va, les gens qu'on tue au nom des principes. Ah ça y va, ça y va, ça y va, oui mais la connerie on la tue pas. On change de régime, on pavoise, on frime, on fait du neuf avec du vieux, on s'aperçoit que ça va pas mieux. Et l'on voit la rose qui avait éclose dans l'enthousiasme général, terminer ses jours assez mal. Ces pauvres pétales se font bientôt la malle, écrabouillés, mis en morceaux par la faucille et le marteau. Ah ça y va, ça y va, ça y va, les discours, les manifs et les grèves. Ah ça y va, ça y va, ça y va, pas feignant les syndicats. Le brave Louis XVI s'y ramenait sa fraise. Maintenant il perdrait pas son temps à discuter en gentleman. Marie-Antoinette se mettrait une toilette, lui une fausse barbe, en avion il se tirerait avec le pognon. Car il faut tenir compte du dollar qui monte et qui prouve que Marx a raison quand il a Groucho comme prénom. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, comme on en a marre du socialisme, on s'en ira, s'en ira, s'en ira, on se fera tous la main aux USA.